formidable. À moi maintenant, je veux essayer. Bonne chance, Ray. Fais tout de même attention à toi. Attention. Il fallait s'y attendre avec un empoté pareil. Nous vous souhaitons tous une bonne année. Nous vous demandons de bien vouloir nous accorder votre protection. Vous allez me payer ça, espèce de petit gredin! Si vous y tenez vraiment, mais je peux d'abord vous dire que ce n'est pas joli joli ce que vous venez de faire là, et en plus c'est cruel! Là! C'est encore Mademoiselle Hilary qui a gagné! Oui, elle est très forte et en plus elle est plus rapide que nous! Elle est plus rapide que vous les filles, d'accord, mais elle ne ferait pas le poids face à nous les garçons, ça c'est sûr! Oh. Tu ferais bien de faire attention à ce que tu dis! Là! Une jolie jeune femme et un homme sans cœur à présent. Là! Là! Oh non, Mademoiselle Hilary a pris pratiquement toutes les cartes, et nous alors? Je n'aurais pas dû mettre ce kimono pour jouer, je n'arrive pas à bouger comme je veux avec et ça me gêne. Tu as tort de dire ça, Julie, tu es très jolie avec. C'est vrai, vous trouvez? Les filles devraient toujours faire attention à ce qu'elles portent. Qu'est-ce que tu racontes, répète? Ah, c'était pas vrai, c'est la guerre qui vient, mais j'y peux rien, te fâche pas. Il y a un fossé entre la camaraderie et l'amitié. Oui, oui, oui. Attends, j'ai trouvé, j'ai trouvé. C'est pas à toi que je parlais. Tu ne viens pas de dire que ton kimono te gênait? Mademoiselle. Eh bien. Bah parle, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien voilà, Mademoiselle Hilary. Je viens juste de me souvenir de quelque chose. Et tu sais, Ray, les toilettes sont juste derrière la porte. Oh non, c'est pas ça du tout. C'est pas non, en fait, je pensais au fait qu'au Japon, il y a une coutume que vous n'avez pas l'air de connaître. Cette coutume consiste à donner un petit quelque chose aux enfants, c'est les adultes qui doivent donner. Oui, c'est vrai, j'avais complètement oublié, c'est vrai. Et c'est une coutume, dis-tu? Je n'en ai jamais entendu parler. Oh, ne faites pas l'innocente. C'est une coutume très connue ici. Le cadeau que vous devez nous offrir si vous respectez la tradition, c'est un petit carré dans une enveloppe. Un petit carré dans une enveloppe? Ah oui, exactement. Des petits gâteaux de riz, des petits gâteaux. Tenez, voilà ce que vous m'avez demandé. J'espère que vous serez content. Non, c'est pas ça qu'on veut. Quoi? Vous faites fausse route, Mademoiselle Hilary. Non, ce qu'on veut dire, nous, c'est ça. Quoi? Tu crois qu'elle a compris avec ton petit doigt? Oh non! Vous parlez d'un cadeau en argent, c'est ça? Vous n'avez pas honte, à votre âge, de quémander des cadeaux et de l'argent en plus? Quel garnement! Mais ça n'a rien à voir avec notre âge, Mademoiselle Hilary. Nous sommes au lycée, d'accord, mais ça n'empêche pas qu'on aime les cadeaux. C'est normal à notre âge, justement, d'espérer quelque gentillesse de la part des adultes, vous ne trouvez pas? Non, et très honnêtement, je ne m'attendais pas du tout à ça. Vous m'étonnez beaucoup! Non! Non! Oh. Quel que soit l'âge qu'on a, le désir de recevoir un cadeau plus fort. On est prêt à faire pratiquement n'importe quoi pour l'avoir, mademoiselle. Pas vrai, les amis, qu'on en veut? Très bien, oui! Ah, de toute façon, que vous nous donniez ou non un cadeau, nous gagnerons, nous ne nous laisserons pas battre. Oh, ça y est, je l'ai eu, cet oiseau. Bien! Oh! Quoi? J'ai horreur de ces petites enveloppes blanches. Je les aime pas. J'aime pas. La ferme, espèce d'idiot! Tu n'as pas honte de crier comme ça? On n'est pas seul dans cette maison. Un moineau. Excusez-moi. Mademoiselle Hilary. Mademoiselle Hilary. Aïe, problème. Oui, madame, qu'est-ce qui se passe? Vous allez arrêter de faire tout ce bruit! Arrêtez aussi ce jeu stupide! Je n'arrive pas à continuer mes études sur les moineaux, j'en ai marre! Oh, je suis désolée, acceptez mes excuses. Un moineau, vous étudiez les moineaux?
Mais oui, bien sûr, je les étudie parce que je veux savoir s'ils ont une langue. C'est très important pour moi, vous le savez, vous? Oh non, désolée. Oh non, oh non. Oh, je ne peux pas vous renseigner, je suis navrée. Cette femme est vraiment incroyable, elle ne sait pas comment tuer le temps, elle fait n'importe quoi. Oh, vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? Est-ce que vous vous rendez compte? Chut. Oh oui, je disais donc que je me suis fait réprimander, et ça à cause de vous. Bon, alors je propose qu'on continue notre partie en chuchotant, vous êtes d'accord? Bon, ma carte dit que les jeunes garçons doivent être ambitieux, les vieux reçoivent des allocations. Qu'est-ce que tu viens de dire? J'ai rien compris du tout. Répète, s'il te plaît. Je disais que les jeunes garçons doivent être ambitieux, les vieux doivent recevoir des allocations. Ouais. Les jeunes garçons doivent être ambitieux et les vieux, eux, reçoivent des allocations. Les jeunes garçons doivent se montrer ambitieux, les vieux, eux, reçoivent des allocations, c'est idiot. Les jeunes garçons doivent se montrer ambitieux, les vieux, eux, reçoivent des allocations, c'est ridicule. C'est pas raisonnable, on doit pas faire de bruit. Oh, oh bien sûr, mais... Mais ce n'est pas si facile que ça de jouer à un jeu en chuchotant, pas vrai? Je pense que si on engageait des paris, on se sentirait un peu plus motivé. Mais le problème, c'est qu'on est chez notre professeur, on peut pas. Et non, c'est vrai, mais je suis quand même de ton avis. Parier de l'argent, ça donnerait plus de piquant à cette formidable partie. Ouais. Mais j'ai un handicap, moi ça ne va pas du tout. Je suis toute seule contre vous tous. Mais dites-moi alors, qu'est-ce que vous ferez si vous perdez? Nous vous donnerons ça. Mais ce sont mes meubles, vous n'avez pas le droit. Chut. Bon, très bien, c'est entendu. Mais je vous préviens mes petits amis, vous ne gagnerez pas cet argent aussi facilement. Bon bah alors on peut commencer. Attention, attention, c'est parti. Je vous ferai remarquer qu'il ne reste plus tellement de cartes. Que j'avais votre âge, on m'avait donné un surnom, on m'appelait Ila Rapida. Bah, c'est très drôle, comme nom, et vous aviez beaucoup de prétendants. Mais de quoi te mêles-tu, toi? Je propose de changer un peu les règles. Mademoiselle Hilary est beaucoup trop rapide, ça ne va pas, cette histoire. C'est vrai que je suis la plus rapide. Alors, qu'est-ce que tu proposes concrètement, mon cher Ray? Vous parliez d'un handicap tout à l'heure. À chaque fois que l'un de nous attrapera une carte, il devra mettre un coussin sous ses fesses. Ce qui veut dire que plus on attrapera de cartes, plus le jeu se corsera. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une bonne idée, non? Moi, elle me plaît en tout cas. Bon d'accord, alors on va faire comme tu viens de le dire. Moi je trouve ça ridicule, mais si tu y tiens, alors c'est entendu. Allons-y. Ah non! Quoi? Comment se fait-il qu'il y ait autant de coussins dans cette maison? Vous en faites la collection? Je ne vous ai jamais autorisé à ouvrir mon placard, surtout d'un seul coup. On dirait que vous êtes en train de brouter votre trousseau en vue d'un mariage. Bon, allez, maintenant que nous avons suffisamment de coussins, on peut commencer. Prête, mademoiselle? Un enfant est la plus belle chose qui soit au monde. On ne doit rien faire qui puisse lui causer de la peine ou du malheur. Là! La réalité dépasse quelquefois la fiction, c'est ce qu'on lit dans les livres et parfois bien éloigné de la vie. Mon royaume pour un cheval! Là! Bien. Là, là et là encore. Continuez de lire, mademoiselle Hilary, vous voulez bien? Mais bien sûr, vas-y. Le froid le plus glacial ou la chaleur la plus torride ne dure que lorsque vient l'équinoxe. Il faut être prêt pour les examens. Là. Là. Oh. Un caméléon, Ray? Je ne pourrais jamais gagner ma vie si je ne faisais pas appel à ma technique secrète. Tu t'en sors très bien, je dois te féliciter, bravo. Bien, nous sommes tous à égalité à ce moment de la partie. Cette dernière carte va décider de l'issue de la partie. Bon, vous êtes prêts? C'est parti. Le rire, c'est le secret d'une vie longue et chanceuse. Un enfant qui pleure, c'est le monde qui s'assombrit tout à coup. Là! Et je l'ai! Mademoiselle Hilary, oh, je suis sincèrement désolée. Oh, 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 oh,
pouvoir vous donner comme cadeau maintenant. Quoi? Mais alors, ça veut dire que... Vous aviez décidé de nous faire un cadeau de bonne année avant même que la partie ne commence? Je suis vraiment désolée, mes enfants, mais cette fois, je n'ai plus rien pour vous. Oh, alors on ne va pas avoir des traînes? Bien voulu venir avec moi à ce concours de beauté, c'est gentil. Oh, c'est rien, je n'ai rien à faire, alors il faut bien que je m'occupe, le temps est long. On est dimanche, il fait beau, ce qui est rare, et pourtant on ne se sent pas romantique. Oui, je n'en avais jamais vu autant à la fois. J'ai l'impression qu'on va en avoir pour un bout de temps. Autant prendre notre mal en patience. Il y a une foule de chiens différents ici. La plupart de ces chiens sont pure race. Tiens, regarde ceux-là par exemple. Ce sont des Doberman. Ils ont l'air très puissants et pas commodes du tout. Et voilà un loulou de Poméranie. Est-ce qu'il est mignon, il me plaît. Et celui-là encore, c'est un caniche. Tu as vu comment il est coiffé? Celui-là, c'est un bulldog. Et lui, c'est un boxer. Lui, c'est un lévrier afghan. Et voilà Taro et Ziro, des huskies. T'as l'air d'en connaître un sacré rayon sur les chiens. Oui, c'est parce que je les aime. Je connais pratiquement toutes les races. J'espère qu'ils ne vont pas aboyer. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce chien? Ça, je sais pas. En y réfléchissant, je dirais que c'est un bâtard un peu fou. Un bâtard un peu fou? Et j'imagine que son propriétaire doit être un peu fou. Je ne sais pas. Où étais-tu? Ah! Oh, ça alors! Vous êtes venus, vous aussi, bonjour les filles! Bonjour! Bonjour! Eret, c'est ton chien celui-là? Oui, il est mignon, hein? Il a une bonne tête, tu ne trouves pas, Laura? Oui. En vérité, je l'ai trouvé qui traînait depuis quelques jours autour de ma maison. Alors j'ai décidé de m'occuper de lui en attendant que son maître se manifeste. Et tu penses c'est un vrai parasite, ce chien qui le plaît? Oui, je vois. Oh non, regardez, il fait la tête. Tu l'as blessé, Ted, c'est méchant. Malgré ce que vous pensez, il est peut-être intelligent. Ah, oh, il est vraiment drôle, ton chien, Ray. Mais ça va pas? Ah! Oh! Tu n'as pas honte de te comporter de cette façon? Oh, le pauvre, tu lui as fait mal! Ah ben non, voyons, c'est une culotte avec des petites fraises dessus. Oui, j'en ai vu comme ça l'autre jour dans un grand magasin. Oh, toi! Oh! Dis-moi, Ray, comment est-ce qu'il s'appelle? À vrai dire, je n'ai pas encore pensé à lui donner un nom. Ah, c'est vrai? Alors on pourrait peut-être lui en trouver un. Je trouve ça triste, moi, que ce gentil chien n'ait pas de nom. C'est une bonne idée, d'autant que je manque un peu d'imagination. Oh. On pourrait l'appeler Eros ou encore Satyre ou même Sinoc. Je
préférerais un nom un peu plus simple. Je trouve cela un peu compliqué. Ah oui, c'est vrai, puis il aurait l'air encore plus bête. Moi, j'y trouve pas si mal les noms que Julie a imaginé. Après tout, ça n'est qu'un bâtard. Dis pas ça, voyons, tu vas le blesser. Il en a peut-être pas l'air, mais c'est une âme sensible, je l'ai tout de suite deviné. Bon, alors, on va s'y mettre tous ensemble et lui trouver un nom qui lui aille vraiment bien. Vous êtes d'accord? Moi, je propose Ménard Joli. Oh, Fidèle. Ou alors Ulysse. Ou bien alors Albert. Oh. Vous avez gagné, maintenant il boude. Oh, il ne faut pas, voyons. J'ai l'impression, mon chien, que tes parents ne sont pas très inspirés. Ouais, ça va, ça va. Les noms que tu as proposés n'étaient pas si formidables que ça non plus. Quoi? Je t'interdis de dire que mes noms sont moins bien que les tiens. Attendez, je crois que j'ai trouvé. Oui, j'ai trouvé le nom qui lui conviendra le mieux. C'est Lassie. Bon, 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 bon. Alors, ça te plaît, Lassie? De quel droit te permets-tu de lécher le visage d'une jolie fille, sale cabot? Oh! Tu ne la connais que depuis quelques instants et tu vas un peu fort, je trouve. Il paraît qu'on dit que le maître devient comme son chien. Il faut que je me méfie. Qui sait, je finirai peut-être comme lui. Ouais, tu t'es pas regardé, t'es pire. Ah, vous êtes là, vous aussi? Bonjour. Bonjour, mademoiselle. Les chiens vous intéressent? Ah oui, je les aime beaucoup. D'ailleurs, j'en ai un. Je crois que tous ceux qui aiment les chiens sont ici. Vous ne connaissez peut-être pas le mien, c'est un collet. Il est beau. Tous les chiens qui sont ici sont pure race, ils ont un pédigré. Ah, c'est formidable, je trouve. Ah ah ah, et mon chien que l'on vient juste d'appeler Lassie a un pédigré lui aussi. C'est bien, c'est très bien. Mais toi aussi, Julie, tu as un beau chien, c'est un Spitz, n'est-ce pas? Oui, c'est une femelle et je l'ai appelée Belle. Ah, vraiment, c'est un nom intéressant. La mienne, elle s'appelle Mona Lisa. J'ai trouvé que c'était un nom qui lui allait bien. Vous ne trouvez pas? Mona Lisa est la Madone éternelle. Autant dire la beauté éternelle à cause de son sourire. Elle sera donc opposée à Belle. Les yeux qui tombent opposés à d'autres yeux qui tombent, Julie a perdu d'avance. Après tout, mon chien n'a peut-être pas de pédigré, mais il n'empêche qu'il est très mignon et tellement différent du Spitz. On ne peut pas juger des qualités d'un chien rien qu'à l'apparence de celui-ci. Ce qui compte, c'est l'intelligence. Oui, 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 oui. En disant ça, tu insinues que le tien est certainement plus intelligent que les nôtres, c'est ça? Quoi? Alors prouve-le. Ah, Edlut Sévère va s'engager pour savoir lequel est le plus intelligent. Oh, oh. Bon, très bien, je suis prête. On peut commencer. Mona Lisa, donne la patte. Bon. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? Elle n'est pas sourde, c'est tout? Si c'est si facile, ta belle n'a qu'à en faire autant. Ça ne vaut même pas la peine, c'est tellement simple. Bonne chance, Lassie. Allez, mon chien, tu as entendu ces encouragements? Il ne faut pas les décevoir. Montre-leur comme tu es intelligent. Bonne chance, Ray. Lassie, donne la patte. Allez. Alors, tu abandonnes déjà la partie, tu déclares forfait. Je pensais pourtant que ton chien saurait au moins faire ça. À présent, c'est à notre tour, Ben. Prêt? Couché, debout, allez, saute. Voilà, c'est bien. Stop. Et voilà. Vas-y, Ray, je te souhaite bonne chance. Je réussirai, tu peux compter sur moi. Depuis qu'il est avec moi, j'ai eu pas mal de temps pour l'entraîner, vous allez voir. Bon, tu es prêt, Lassie? Debout, révérence, repos, garde à vous, bras tendus. Alors, qu'est-ce que vous dites de ça? C'est pas mal pour un chien qui n'a pas de pédigré. Mais comment est-ce qu'il a fait ça? C'est terminé pour toi, Ray, à mon tour maintenant. Aussi incroyable que ça puisse paraître, mon chien sait compter. Il sait compter? Oh, c'est fantastique! Non, c'est pas possible. Le chien de Ray ne pourra pas gagner. Dès qu'il doit utiliser son cerveau, il est fichu.
Attention, Mona Lisa, je veux la réponse exacte à ce problème. Bon. Ah oui, c'est exact. Et là? Bon. Oui, encore exact, très bien. À présent, la dernière question. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Aurait-on chien capable de faire ça? Mais enfin, la réponse est toujours la même, ça ne compte pas. C'est un peu facile de dire une chose pareille tant qu'on n'a pas essayé. Tu as la langue bien pendue, Ray, mais tu crois que ton chien est capable, lui? Je vais vous prouver que c'est d'une simplicité enfantine, regardez. Lassie, donne-moi le résultat de cette soustraction. Allez, quoi, c'est facile, je sais que tu peux le faire. Tac. Mais arrête, t'es complètement idiot, quoi. 2 moins 1, ça fait pas 5. Donne-moi une autre chance. Bon, d'accord, alors combien font 2 moins 1? 4. Mais c'est n'importe quoi, arrête, depuis quand tu parles? Embêter cette pauvre bête, c'est cruel. Bon, d'accord, mais je ne veux plus te voir autour de chez moi. C'est un véritable désastre, une catastrophe. Je n'avais jamais vu un chien aussi stupide. Mais les chiens sont faits pour s'entendre, ou les chiens le meilleur ami de l'homme.